Alors aujourd'hui, on est là parce que on soutient à fond la grève de tous les services publics et on est persuadé que les attaques contre les cheminots sont le préambule de la disparition. On va les services publics. Si je mets ce bon pantalon, quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, c'est pour la grosse commission. Prends-toi en main, laisse les pas dans tes poches. C'est voler quoi, voler le lac à poche. Donc voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on pense que c'est très important de faire converger les luttes dans le privé et dans le public. Aujourd'hui, cette grève, elle est appelée dans le privé, mais nous, dans les services publics, on pense qu'il faut qu'on se joigne tous ensemble parce qu'on n'a jamais eu une telle attaque contre tous les salariés, qu'ils soient du public ou du privé, les jeunes, les privés d'emploi, etc. Et donc nous, on est pour qu'il y ait un élargissement et que tout le monde se retrouve sur une ligne simple. Il faut arrêter de se faire plumer par un gouvernement qui n'en a que pour les riches, pour les actionnaires, pour les grands capitalistes. Nous, ce qu'on dit, c'est que les services publics, c'est un bien commun. C'est quelque chose qu'on a mis des années, des dizaines d'années, à conquérir et qu'on ne se laissera pas déposséder. Et qu'aujourd'hui, ce gouvernement, il faut qu'il comprenne qu'il a tous les salariés, publics et privés, contre lui, tous les chômeurs, tous les privés d'emploi, que c'est plus possible qu'il continue comme ça à nous faire les poches et à nous enlever nos conquêtes. Donc là, on est là parce qu'on est en colère, parce qu'on sait que c'est une bataille décisive à travers celle des cheminots et qu'il faut que tous les usagers, tous les citoyens y soient derrière avec les syndicats. On lâche rien.